Bye.
De militaire, mon cousin qui a été tué à Bangui. Et là, je reviens presque escamoter un sujet parce que ce genre de sujet s'aborde dans le cadre du Balkan, l'émission qui dénonce tout sans fioriture. Mais à cause de ce problème d'équipement, on va devoir l'éplucher, peut-être survoler même. Mais on reviendra. Mais je tiens d'abord à faire quelques observations. D'abord, la première chose, il faut télécharger Telegram. Je vous demande de télécharger Telegram parce qu'on passera bientôt à Telegram uniquement pour participer à l'émission. Lorsqu'on reprendra les grands directs, il faut utiliser Telegram qui, à mon avis, me semble plus fiable. Les gens pensent que c'est... Beaucoup disent que c'est Signal qui est la meilleure application. Moi, avec l'expérience qui est la mienne, je trouve que c'est Telegram parce qu'avec Telegram, on a la possibilité de définir le temps d'autodestruction du message. Si vous parlez avec quelqu'un pour 30 secondes, le message doit s'effacer, ça s'efface. Mais je n'ai pas trouvé cette application au niveau de Signal, cette option au niveau de Signal. Donc, je vous demande de télécharger Telegram parce que les mêmes numéros que vous avez en WhatsApp vont être basculés sur Telegram pour participer aux émissions prochainement. C'est pour votre sécurité et pour ma sécurité aussi parce que, comme vous le savez, WhatsApp a été acheté par Facebook et à partir du 1er février ou du 2 février au plus tard. Donc, rien ne sera plus vraiment protégé comme données personnelles. Voilà, donc ça c'est la première observation que je tenais à vous faire. Deuxième observation, je voulais rappeler aux uns aux autres que je ne suis l'employé de personne. Parce que j'ai vu les messages injurieux à mon encontre. J'ai vu des posts pondus par certains crétins en manque de notoriété et qui cherchent à reconquérir l'audimat en m'insultant. Je tiens à préciser aux uns aux autres que personne ne m'a envoyé dans ce combat pour la déconstruction de l'édifice pyramidal de la dictature d'Ali Bongo. Je me suis lancé moi-même volontairement, en toute âme et conscience, que personne ne me paye. Quand quelqu'un vous rend des services gratuitement, la moindre des choses, c'est d'être poli vis-à-vis de cette personne. Si les gens ont raté leur éducation et leur instruction, alors qu'ils aillent vivre dans les toilettes, ils ne doivent pas vivre dans des milieux civilisés. J'avais parlé ici de cette affaire du Python. Ce n'est pas aujourd'hui que je dénonce ce genre de choses. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à citer nommément les gens. Je n'ai pas peur parce que j'estime que mon souffle de vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors, à la suite de l'incident qui s'est passé la semaine dernière, j'étais surpris de constater tout simplement que les gens ont tourné ça en dérision et sont allés insinuer comme
Ils sont maudits comme ce sont non seulement des crétins, mais des oripeaux. Ils sont allés dire que Jonas Moulenda a été acheté. Je ne sais pas si c'est par leur père ou par leur mère. Je veux rappeler aux uns aux autres que l'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie. Si les gens ont raté leur éducation, qu'ils demandent à leurs parents de refaire leur éducation. J'ai subi, j'ai payé le prix fort dans ces combats pour la dénonciation. Si je ne me suis pas fait acheter au Gabon, ce n'est pas arrivé en Europe que je me ferai acheter. Ce n'est pas un petit sénateur. Si Omar Bongo n'a pas pu m'acheter, si Ali Bongo n'a pas pu m'acheter, ce n'est pas un petit sénateur. Même s'il a un serpent qui pond de l'argent. Au regard de l'ingratitude des Gabonais, j'ai pris des résolutions. Un, je ne veux plus prendre de gros risques pour des gens ingrats qui ne reconnaissent pas la valeur d'un travail. Deuxièmement, je vais tout faire pour que ma chaîne YouTube soit monétisée. Désormais, les grandes informations, les grandes dénonciations vont se faire uniquement sur YouTube. Comme ça, ils vont payer, même si les gens viennent me demander des comptes, parce que quelque part, je suis redevable, parce qu'ils payent quelque chose. Ça va être ça désormais. J'ai fait ça pendant des années. La gratuité, ça n'a pas marché. J'ai pris des risques. J'ai sacrifié ma carrière. J'ai sacrifié ma vie privée. Et je ne peux pas accepter que ça continue comme ça. Donc désormais, ça va être ça. Les grandes dénonciations vont se faire sur la page Facebook, YouTube plutôt. Et je vais monétiser ça. Et je passerai aussi à monétiser Facebook, comme les Gabonais aiment la gratuité. On va voir maintenant ce que ça va donner. Comme ça, si quelqu'un vient parler, il va parler avec raison parce que il a un abonnement. Puisqu'on ne veut pas se respecter. On ne veut pas se respecter. Vous savez combien me coûte toutes ces dénonciations dans un pays où les gens n'acceptent pas la vérité? Vous savez à quoi je m'expose? À quoi j'expose ma famille quand j'ai fait des dénonciations? Parce qu'au Gabon, tout le monde se connaît. C'est un petit pays. Donc ça fait mal de voir des crétins qui n'ont jamais fait quelque chose pour ce pays, qui n'ont jamais été utiles, si ça n'est de tirer par le bas, se mettre à s'en prendre à quelqu'un qui sacrifie sa vie en dénonçant des choses sans fioriture. Et ça, c'est ce qui fait que ça va être compliqué demain dans ce Gabon. J'ai décidé de parler du sénateur. Vous pensez que c'est un petit sénateur? Si j'attaque Ali Bongo, si j'attaque Sylvia Bongo, qui ont plus de moyens que les autres Gabonais, c'est un petit sénateur que je ne peux pas attaquer. Mais désormais, je vais mettre des gants. Je vais mettre des gants, pourquoi? Parce que quand j'ai des procès au tribunal, je suis le seul à trouver de l'argent pour payer les avocats, pour payer les auxiliaires de justice chargés de faire. Je n'ai pas vu beaucoup de monde. J'ai eu un procès en 2015. Je n'ai pas vu grand monde participer. Deux personnes, ce sont mes parents, mon grand-père et mon cousin, qui m'ont aidé à payer l'avocat. Pas moins de 5 000 euros. Parce que même s'il ne peut pas gagner, mais quand tu as un procès, tu dois payer un certain nombre d'actes. Donc, quand j'écoute des gens raconter des conneries, en plus un rigolo aussi, j'ai vu un rigolo que j'ai sauvé qui allait mourir, qui était en train de mourir sur l'hôpital. J'ai envoyé de l'argent et c'est le même comme il est ingrat qui vient m'insulter sur ma page Facebook. Vous comprenez que ça va changer désormais. 2021 ne sera pas 2020 parce que j'ai trop fait dans la gratuité. J'ai trop fait dans la gratuité. Maintenant, j'ai des enfants au Gabon. J'ai des nièces au Gabon. Disons, toutes les filles du Gabon sont mes enfants. Celles qui ont l'âge de mes enfants sont mes enfants. C'est à cause de ça que je viens dénoncer ces faits, qui est le énième du genre. J'ai discuté longuement avec un officier de police judiciaire qui est sur la question. Je ne veux pas empiéter sur l'enquête. Pour le moment, sur Facebook, je viens juste attirer l'attention des gens qu'ils sachent que ces phénomènes existent à Port-Gentil,
et même à Libreville. Et que demandez à vos enfants, à vos petites filles là, de faire extrême attention. Parce que ce qui est arrivé à cette fille là, dont on va parler aujourd'hui, c'est. Ça peut arriver à tout le monde. Je viens parce que c'est un sujet. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la personne qui a fait ça. Puisque les Gabonais sont méchants. Il y a combien de sénateurs à Port-Gentil? Vous allez vous débrouiller vous-même en attendant l'enquête. Puisque c'est comme ça. Ce n'est pas la peine que je cite, non? Je me retrouve avec un procès. Surtout que les choses mystiques sont difficiles à prouver devant le tribunal. Et ces gens-là qui viennent dire cite le nom, ils ne sont pas capables de venir m'aider demain. Donc, moi, je n'ai rien à foutre. Personne ne m'a envoyé faire ce combat. Je le fais en toute âme et conscience. Alors, que ceux-là qui travaillent maintenant pour le pouvoir, qui travaillent pour le pouvoir, qui mangent l'argent du pouvoir tranquillement, qui n'emmerdent pas les gens. Parce que je sais que ce sont les fous qui troublent l'eau et ce sont les sages qui pêchent. Ce sont les fous qui troublent l'eau et ce sont les sages qui pêchent. Quand on est sorti du combat, on essaie de s'attaquer à tous ceux qui font le combat parce que tout simplement, on est aveuglé par les friandises du pouvoir. Moulinda n'a jamais eu faim, je n'aurai jamais faim et je ne mourrai pas de faim en exil. Il y a toujours même les restos du cœur. Ça existe en Europe. Je voulais dire à ces crétins qui répandent ces informations, que je ne travaille pas pour le pouvoir, je ne travaillerai jamais pour le pouvoir, et que j'ai eu des postes ministériels qu'on me propose, que je refuse. Pas parce que les gens vont juger quoi que ce soit, mais parce que je ne serai pas en harmonie avec ma conscience. Les postes que je refusais, personne ne va les accepter demain. Personne ne peut les refuser demain. Je connais beaucoup qui sont en train de saliver. Alors, que les gens ferment tous leurs trous, en haut et en bas. Quand quelqu'un se sacrifie pour le pays, il faut le respecter. Même si on est issu d'une société, on ne reconnaît pas les valeurs, parce qu'on est soi-même sans valeur, apprenez à respecter les héros, les gens qui se sacrifient pour vous, qui vous donnent des informations gratuitement, sans demander une contrepartie. Même les rares personnes qui m'aident, en passant, ne m'ont jamais donné des injonctions, comme je vois ces rigolos qui viennent donner des injonctions. Maintenant que vous êtes devenus des grands enquêteurs de Manhattan, des experts de Manhattan, vous êtes devenus tout, alors allez-y à Port-Gentil maintenant de trouver le sénateur là. Je vais aligner quelques images aujourd'hui. Parce que je suis fatigué de l'impolitesse des Gabonais. Les Gabonais sont méchants, ils sont aigris, ingrats, jaloux. Il faut arrêter, c'est pourquoi le pays et ceux-là qui font preuve de méchanceté vont crever dans leur galère. Nous qui sommes sortis du Gabon, on est à l'abri. C'est Dieu qui a permis que nous sortions du Gabon. Mais vous qui faites la méchanceté, qui êtes au Gabon, vous allez couler avec ce régime qui vous demande de salir les gens qui font leur travail. Alors, on va parler, je n'ai pas tous les équipements pour faire un balcon, comme je l'ai dit. Je vais vous résumer les faits et puis je vais projeter une vidéo explicative. Il s'agit, ça c'est une digression, hein. Tout à l'heure là c'était une digression, hein. Une parenthèse si vous voulez bien. Voilà. Donc, je vais vous résumer les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fille, il y a une fille de 19 ans. Cette fille est originaire de la République populaire du Congo, enfin, le Congo-Brazzaville, le pays de Denis Sassou Nguesso. Cette fille est orpheline des pères et des mères. Et après avoir perdu ses parents, elle a décidé de rejoindre sa tante au Gabon. Et sa tante vit à Port-Gentil, la capitale économique de notre pays. Sa tante a au moins quatre gosses et elle a donc intégré la famille de sa tante à Port-Gentil. Et quand elle est partie là-bas,
Naturellement, la vie est devenue difficile à Port Gentil. Cette fille s'appelle Leila Moubi. K. Leila Moubi. Et cette fille, cherchant coûte que coûte à vivre décemment, elle a cherché la facilité pour gagner sa vie à Port-Gentil. Elle s'est lancée dans la prostitution. Et elle avait une bande de copines. Ils allaient sortir avec les hommes fricains qui leur donnaient un peu d'argent. Elle revenait à la maison. Un soir, une de ses copines l'a appelée pour dire, il y a une soirée organisée par des hommes fricains, des hommes politiques et des hommes d'affaires. Ils aimeraient avoir des cavalières parce qu'on va danser. Donc, la fille a dit, d'accord, j'arrive. Et là, elle est allée retrouver ses copines et ils sont allés à la soirée. Et au cours de cette soirée, il y avait un sénateur, sénateur du coin. Et il y a beaucoup de sénateurs, on va vous le présenter, vous allez. Donc, elle est allée, et à la soirée, le sénateur a trouvé que c'était elle, la personne, qui lui plaisait, il fallait donc danser. Et la fille a dansé. Et à la fin de la soirée, le sénateur lui a donné sa carte de visite avec son numéro de téléphone écrit au stylo pour dire tu m'appelles demain, on va se revoir. La fille est rentrée chez elle et le lendemain, comme promis, elle a appelé le sénateur. Le sénateur lui a fixé rendez-vous et ils se sont retrouvés à la résidence privée du sénateur. Le sénateur lui a dit moi, j'ai ma famille, mais ma famille ne vit pas ici. Ma famille vit en Europe. C'est ma maison. Donc, elle a commencé à faire visiter la maison à la fille. Vous comprenez que c'était une occasion pour cette fille orpheline et en situation de détresse financière. Elle visite une belle maison, trois chambres, avec jacuzzi au salon. S'il vous plaît, c'est pas donné à tout le monde. Et après, elle demande à la fille, est-ce que tu es seule? La fille va lui dire, je suis seule. Je n'ai pas d'amis, je suis orpheline, je vis chez ma tante. Le sénateur a dit, bon, est-ce que ça te gêne? Moi, j'ai plus de 60 ans, toi, tu as 19 ans. Est-ce que ça te gêne de sortir avec moi? La fille va dire, non, ça ne me gêne pas, tu es un homme. Naturellement, elle a besoin d'argent. Donc, elle va passer sa première nuit avec le sénateur dans l'une des chambres de sa maison. Mais sauf que le sénateur l'amène dans une chambre qui n'a pas d'ornement. Il n'y a que le lit, le matelas, les draps, mais il n'y a pas d'armoire, il n'y a rien. C'est un lit, pratiquement un lit comme une chambre de séjour pour les visiteurs. La fille va s'étonner en disant, mais tu dis que tu vis ici, que ta famille n'est pas là, comment se fait-il que ta chambre est dénuée de tout ornement, il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas de vêtements, tes vêtements sont où? Le sénateur va lui répondre que j'ai ma chambre, là, ma chambre où je dors, c'est l'autre là en face. Mais je ne peux pas t'amener là-bas parce que je ne te connais pas encore. Et ensuite, c'est cette chambre-là, quand ma femme arrive, je dors là-bas, donc tu ne peux pas entrer là-bas pour le moment parce que c'est ma chambre privée. La fille va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Donc, ils vont passer la nuit et le lendemain matin, avant de se séparer de la fille,
Parce que le gars va lui dire, écoute, je veux faire de toi ma compagne attitrée en absence de ma famille qui est en Europe, en absence de ma femme. Je veux faire de toi ma copine attitrée. Tu viendras de temps en temps ici, mais je vais te louer une maison. Comme ça, on pourra se voir là-bas parce que ici, c'est ma famille qui est connue ici. Les gens risquent de parler. Et le sénateur va sortir une somme de 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA à remettre à la fille pour dire que là où tu pars, il faut que tu cherches une maison. Parce que tu dis que chez ta tante, c'est serré. Tu cherches une maison, comme ça, je viendrai là-bas. La fille va dire, mais je ne peux pas chercher une maison, je vis chez ma tante, puisque toi, tu es seule. Pourquoi dois-je chercher une maison? Je peux venir de temps en temps passer la nuit chez toi. Et c'est comme ça. Le sénateur dit, bon, c'est à toi de faire, mais je t'ai donné 2 millions. Donc, quand la fille va rentrer chez elle, elle va dire à sa tante, donc la petite soeur de sa mère, sa tante maternelle, elle va dire à sa tante maternelle que j'ai croisé un monsieur, c'est un grand type, c'est un ponte comme on dit chez nous, mais il m'a donné assez d'argent. Voilà 2 millions. Il aurait voulu qu'on change. Mais en revanche, puisque nous sommes dans cette maison où je n'ai pas une chambre, je n'ai pas d'intimité, je dors avec les enfants, on va chercher une maison plus grande pour que j'aie un peu d'intimité. Peut-être il pourra venir avec le temps ici. Donc, ils vont déménager, ils vont chercher une autre maison plus grande dans le sud de Port-Gentil. Et après, ils vont s'installer là-bas. Mais de temps en temps, elle va partir dormir chez le sénateur. Toujours dans la chambre d'à côté. Un mois va passer, 2 mois va passer, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et là, il va se passer quelque chose de terrible. Parce que pendant qu'elle est chez son copain, le sénateur, qui était en séjour dans la ville, puisque vous savez vous-même qu'en fait, les sénateurs travaillent à Libreville et pendant les périodes d'intercession, là, ils se retirent pendant les périodes de vacances, ils repartent dans leur fief. Donc, le sénateur va arriver et la fille va repartir donc là-bas. Et pendant qu'elle est là-bas, elle commence à faire la cuisine parce que le sénateur est sorti le matin, ni laissant à la maison que la fille, et dehors, le gardien, il est sorti avec son agent de sécurité. Donc, pendant ce temps, la fille va commencer à vouloir faire la cuisine parce que elle n'a plus besoin de faire de la prostitution dehors parce qu'elle a déjà quand même un type qui essaie de s'occuper d'elle. Donc, elle va commencer à faire la cuisine et son téléphone va sonner. Son téléphone va sonner, c'est sa tante qui va l'appeler. Sa tante va l'appeler pour dire, écoute, puisque sa tante avait un bébé de 1 an, et les autres enfants n'étant pas là, ayant probablement vaqué à leurs occupations, au cours surtout. Donc le bébé n'a personne avec qui rester. Donc la tante va appeler sa nièce, Leïla, pour dire, Leïla, j'ai besoin de toi dans l'immédiat, viens prendre l'enfant parce que je viens d'apprendre qu'une de mes copines, même ma meilleure amie, est décédée. Je m'en vais au domicile familial, aller m'enquérir de la situation. Je ne peux pas entraîner le bébé là-bas, au décès, viens récupérer l'enfant. Et c'est comme ça que, naturellement, Leïla va partir rapidement. Elle va récupérer l'enfant. Elle arrête d'abord ce qu'elle faisait, s'apprêtait à préparer. Elle va partir et elle revient avec le bébé de 1 an et ses jouets pour le distraire, pour éviter qu'il ne pleure. Et Leïla va commencer à préparer, mais sauf que dans sa tête, elle se voit déjà copine attitrée du sénateur. Et elle va donc chercher à comprendre pourquoi le sénateur ne l'amène pas dans l'autre chambre, la chambre principale. Dans sa tête, ça fait un tilt. Elle va penser peut-être que dans cette chambre, il y a une autre fille qui vient dormir là-bas. Et peut-être que dans cette chambre, il y a les vêtements d'autres filles.
Elle veut avoir le cœur net. Et un jour, pendant qu'elle était avec le sénateur là, elle a vu le sénateur prendre la clé. On va mettre l'audio, on va mettre la vidéo. Comme ça, je vais vous traduire. Je sais que vous allez encore dire que je suis congolais parce que je vais vous traduire ça. C'est le témoignage de la dame congolaise qui a été en contact avec Leïla. Moi, je n'ai pas eu Leïla elle-même au téléphone parce que Leïla est en ce moment en prison. Donc, je vais essayer et puis je vais vous traduire. Je ne ferai pas du motamotisme. Je ne ferai pas du motamotisme parce que c'est compliqué de faire du motamotisme. Mais je vais vous expliquer ce qui va se passer, ce qu'elle raconte comme témoignage. Attendez, j'espère qu'il y a le volume. Je vois que tous les appareils sont arrêtés. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Parce qu'il faut que le volume sorte. Donc, ce qui va se passer, est-ce qu'il y a un son? On va écouter tout à l'heure. Voilà. Ok, il y a le volume. Merci, heureusement. Aujourd'hui, il y a quand même le volume. Vous allez écouter le témoignage et je vais vous traduire, je vais vous expliquer. Hein? Je sais que vous allez encore dire que je suis congolais parce que vous êtes comme ça. Je sais comment le Gabonais fonctionne parce que quand on essaie de traduire la langue d'autrui, on dit que c'est tout de suite comme. Azaki vraiment commis tout ça, ma casse à côté à Kuna. Alors, et pour ça, la que moi, occasion, moi, voyez, qui commande, nana, à mon avis, place papa, bon, bah, à son mot, la naïe. Donc, je vais vous expliquer. Donc, Leïla a pris la clé. La clé était derrière l'horloge. Et derrière l'horloge, il y avait un trou. Il y avait un trou derrière l'horloge où le sénateur cachait la clé de la maison. Bon, je vois qu'il y a des gens qui comprennent. Bon, on va d'abord la laisser parler, puis je vous traduis ça. Hein, ça va être un peu plus long, hein, mais c'est mieux comme ça, pour qu'on ne s'embrouille pas. Comme ça, il y a aussi sa bacouse, Nayo, et Kouza, BDA. Bande Koranga, il est là, Nanda Kuna Bangokuna, le roi Yenda Akalikondi, Akamati Bébé, Azuma Bakampers, Aye Naye Nanda Kumobai Naye. Bon, on va vous traduire partie par partie pour ne pas vous embrouiller, ça risque d'être long. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, Leïla a pris la clé. Derrière l'horloge, il y avait un trou derrière l'horloge. Elle a pris la clé et après, elle est allée ouvrir la porte de la chambre privée du sénateur. Elle est entrée avec le bébé. Et dans cette chambre, dit la dame, donc, a en quelque sorte, on m'a fait faire des pistes à l'équipe, parce que milieu que j'ai eu un congélateur, à tel lieu au temps de moto, malamment que n'est la mire, son mola, le mola cani à qui colombo là, alors on lui montre, dans alors on lui montre malamment. Voilà, donc elle dit qu'elle a, qu'elle a pris la clé derrière l'horloge, donc la montre qui était là, elle est allée ouvrir la porte, et quand elle est allée ouvrir la porte, du fumo là, à qui côté de sa direction chambre. Quand elle a pris la clé, direction la chambre, s'est dirigée à la chambre, elle a ouvert la chambre. Donc, elle est entrée dans la chambre, elle a trouvé que c'était propre, c'était bien rangé et c'était super. Chambre qui est vraiment.
Après, dans la chambre, oh, quand pamba, na sentiment, on a bien, et n'a pas le monde à na katia, à côté, à juif bébé, à déposer la C. Parce que, chambre, c'est un tapis. On est pour la maman, à l'okébi. Donc, elle, quand elle est entrée dans la chambre, elle a admiré, elle a ouvert les tiroirs, elle a regardé, il n'y avait pas de vêtements des filles. Et dans la chambre, il y avait une moquette, qu'elle appelait tapis. Donc, elle a déposé le bébé là, le temps pour elle de, d'inspecter les lieux, d'inspecter la chambre. Bon, oui, mais vous êtes quand même bizarre. Vous voulez d'une chose de son contraire. Vous n'avez pas besoin d'écouter ça. Le témoignage est important. C'est important de mettre le témoignage. C'est ce qui fait foi. C'est compliqué, les Gabonais. Il ne faut pas être compliqué comme la hernie. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous partagez la vidéo au Bandeco, basé sur sa Facebook. Je vais réduire, donc, expliquer ce qu'elle va dire. Donc, elle va laisser l'enfant là, sur le tapis, avec son jouet. Elle va regarder, va inspecter la chambre, ouvrir les armoires, regarder ce qui est beau, qu'elle va admirer, s'il y avait quelque chose d'une fille. Mais elle n'a rien trouvé, pratiquement, il n'y avait rien d'une fille. Et pendant ce temps, elle va se souvenir qu'elle a une marmite qui est restée à la cuisine, au feu. Donc, elle va se détacher rapidement pour aller vérifier, puisqu'il y avait l'odeur, le fumet, on appelle ça le fumet, qu'elle ressentait. Elle va aller regarder donc, la marmite, elle va ajouter les assaisonnements, elle va laisser l'enfant dans, sur le tapis en train de jouer, donc dans cette chambre interdite. Elle va laisser l'enfant sur la moquette en train de jouer avec le jouet. Elle va rester un certain temps à la cuisine et un temps un peu plus long. Après, elle va se rendre compte qu'elle n'entend plus le bruit de l'enfant. Et puis, elle dit, mais j'ai laissé l'enfant là-bas. Elle se souvient brusquement qu'elle a laissé l'enfant. Et elle va partir aller regarder l'enfant. Et à sa grande surprise, l'enfant n'est plus là. Elle ne voit pas l'enfant. Elle se dit peut-être que l'enfant a dû ramper entre les autres chambres. Donc, elle va sortir pour aller regarder les autres chambres. La première chambre où elle dormait souvent avec son copain, elle ne trouve pas. L'autre chambre, elle ne trouve pas. Tous les espaces où l'enfant est susceptible de se trouver, elle ne trouve pas. Et elle va prendre une torche. Il y avait une torche au niveau de la cuisine. Elle va venir maintenant inspecter la chambre parce qu'il y a des zones d'ombre, notamment sous le lit. Donc, la première chose qui va l'intriguer, explique ce témoignage, c'est le jouet de l'enfant qu'elle va trouver sous le lit. Pas plus loin, mais juste un peu plus proche de la moquette. Et donc, maintenant, elle va chercher à se courber, à éclairer au fond pour voir où est passé l'enfant. Et en ce moment-là, c'est là où elle va découvrir l'innommable. Elle va découvrir l'innommable parce que l'enfant est déjà avalé par le python. Elle va voir deux gros yeux qui brillent sous le lit. Et quand elle éclaire bien, elle voit que c'est un python qui est repu. Et tout de suite, elle va s'effondrer. Elle va d'abord perdre connaissance dans le même temps, ce qui est une réaction normale. Parce que un python fait toujours peur. Donc, elle va rester là, elle va vivre l'horreur et va donc demander, va d'abord rester là et après la marmite qui est au feu là-bas va commencer à sentir. Le gardien qui est à la porte va venir, le gardien qui était dehors va venir. Et comme la fille, à la demande du sénateur, ont demandé de fermer la porte à l'intérieur, de ne pas laisser n'importe qui entrer dans cette concession. Donc, le gardien va appeler le sénateur pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Je cogne, la fille ne veut pas ouvrir parce que la fille, elle a poussé un cri d'orfraie et elle s'est allongée. À ce moment-là, elle a donc appelé son patron et son patron est venu à la rescousse rapidement avec son aide-de-camp, un militaire. Et dans un premier temps, donc, il s'est dirigé tout droit dans la chambre. Et quand il est allé dans la chambre, il a engagé un dialogue avec son serpent. Il a engagé son dialogue avec son serpent pour demander au serpent de se déchaîner, de se tranquilliser. Ou certainement de se rétracter parce que c'est un serpent mystique, ce n'est pas un serpent normal.
Donc, le serpent a dû disparaître. Et après, il a voulu, le sénateur, d'après l'explication, le sénateur a voulu éliminer cette fille qui était toujours allongée, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Il a voulu l'éliminer avec la complicité de son aide-de-camp. Mais la fille est sortie en courant, oublia même son téléphone dans la maison pour aller appeler les gens. Et quand elle est allée appeler les gens, sa tante et les autres, quand ils sont venus, le gardien avait déjà reçu des ordres de ne pas faire entrer quelqu'un. Et elle a couru à la police. Elle a fait venir, je crois, 2 ou 3 agents. Et quand ils sont arrivés, le sénateur a dit, vous voulez quoi? Et la fille a expliqué, elle dit, non, je ne connais pas cette fille. Donc, le sénateur, en sac d'embrouille, a fait passer cette fille-là, donc Leïla, pour une malade mentale. En disant, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Et quand la fille a dit, je veux récupérer mon téléphone, elle dit, non, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, elle n'est jamais venue chez moi. Et il a utilisé sa force. Parce que c'est un sénateur, le sénateur a l'immunité, il a tout, il a toutes les protections, c'est un type du PDG. Et c'est comme ça qu'elle a fait arrêter Leïla pour violation de domicile, pour fausse accusation. Et dans un premier temps, Leïla, il y a eu ce qu'on appelle une psychanalyse. On a vérifié si la fille était malade. On l'a même transféré à l'asile de Mélène pour vérifier. Ça a été prouvé qu'elle n'est pas malade. Mais on l'a quand même envoyé au mitard pour étouffer l'affaire. Donc, l'affaire à ce niveau, on a étouffé tout comme d'habitude à Port-Gentil. On a étouffé l'affaire, on essaie d'étouffer l'affaire. Et la fille, elle a quand même quelques amis. Le problème, c'est que le bébé ayant été mangé, sa tante est très remontée contre elle en disant qu'elle est allée vendre le bébé au sénateur. Donc on pense qu'elle a fait ça à dessein, qu'elle savait que le sénateur avait un piton là-bas et qu'elle est allée livrer l'enfant volontairement au bonobo, enfin au daddy sugar. Donc la tante a dit qu'elle crève là-bas en prison, elle est allée vendre mon enfant. Or, quand vous voyez bien, elle est allée ouvrir cette chambre, elle ne savait pas qu'il y avait des choses comme ça. Maintenant, pourquoi ce sénateur? Il y a combien de sénateurs à Port-Gentil? On va en parler tout à l'heure. Il y a 8 sénateurs à Port-Gentil, et sur les 8 sénateurs, il y a 2 femmes. Donc, on va parler à ce conseil des sénateurs. Mais pourquoi le sénateur? La question qu'on se pose, pourquoi le sénateur, sachant que cette chambre était inaccessible, pourquoi avait-il pris la clé de cette chambre-là devant la fille, lui montrant ainsi la cachette, si elle ne voulait pas que cette fille-là accède là-bas? Est-ce que ce n'était pas pour la tenter? Si la fille n'avait pas amené le bébé, est-ce que ce n'était pas elle-même qui allait en pâtir un jour? Je suis fort persuadé que si le serpent n'avait pas bouffé le bébé, c'est elle qui serait passée par là et que le sénateur n'a fait que lui montrer où on cachait la clé. Ça se passe à Port-Gentil, la capitale économique. Qui a mangé le bébé? C'est l'hôpital du sénateur. Voilà. Donc, maintenant à Port-Gentil, l'affaire, il y a certains qui sont informés, il y a certains qui sont même revenus hier là pour me dire, mais pourquoi, machin, voilà, c'est ça, non, voilà ce qu'on a recueilli. Bref. Mais j'ai eu un officier de police judiciaire qui est sur le terrain. Je ne vais pas influencer l'enquête parce que naturellement je ne suis pas sur le terrain là-bas pour influencer l'enquête. Maintenant, il y a des sénateurs, puisqu'ils sont 7, ils sont 8. Il y a un qui est mort, il y a quelques mois, il est mort même à Dakar. Permettez-moi que j'arrête d'abord cet appareil. Donc, ce n'est pas moi. Vous aurez la suite. Vous aurez la suite au niveau du balcon, quand on fera le balcon. Lui là, il est décédé. Il est décédé, il y a un sénateur qui est décédé, c'est pas... Attendez. Donc, je vais vous montrer, ce sont les élus du peuple. Ce sont les élus du peuple. Il n'y a pas... Ce sont les personnalités publiques.
On souhaite que le parquet de Port-Gentil aille plus loin pour savoir exactement ce qui s'est passé. C'est difficile, les histoires mystico-spirituelles, parce que ce n'est pas palpable. Mais la seule chose, c'est l'enfant qui est porté disparu. Et vous voyez que dans cette situation, on ne peut pas filmer. J'ai vu des gens, quand j'ai posté une photo, venir dire, oh, c'est faux, c'est faux. Mais j'ai bien dit que photo d'illustration. Les Gabonais ont un problème. On vous dit photo d'illustration, mais vous ne parlez. Maintenant, les sénateurs de Port-Gentil, qui sont sur la sellette, ils vont voter. Si les Gabonais, il faut accélérer les choses, parce que nous sommes en plein... Il y a eu les primaires, là. Il y a les sénatoriales le 30 du mois courant. Hein. Si ça peut être décanté pour que cette personne-là échoue, ce serait bien. Donc, les sénateurs, puisqu'on va écarter les femmes, on va quand même présenter les femmes, peut-être que c'est une femme qui se transforme en homme, si elle a un piton, mais je sais que c'est un homme. Donc, on va vous présenter quelques sénateurs, les sénateurs de la localité, et puis comme ça, vous allez choisir. Mais c'est bizarre quand même qu'il y ait des photos. C'est fou. Bon, c'est dommage. C'est là mon appareil qui est bloqué. Donc, vous avez les sénateurs de Port-Gentil. Vous pouvez aller sur la page du Sénat, hein, retrouver les sénateurs de Port-Gentil. Ils sont six hommes. Et ce sénateur a la soixantaine. Voilà. Moi, je ne veux pas venir, mais ce que je sais, je vous avais déjà dit ici, les gens qui se transforment en serpent, souvenez-vous, je vous avais parlé déjà de quelqu'un ici, si vous voulez, j'ai quand même son image ici. Je vous avais présenté quelqu'un qui s'est transformé en python, qui s'est transformé en python dans un hôtel à Libreville. Et... Souvenez-vous, voilà le frangin là, hein? Lui là qu'on a chopé en train de se transformer en python à Libreville. Donc voilà déjà un, si vous le voyez, fuyez. Voilà, parce que vous aimez l'argent, vous les filles, vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent, mais quand vous voyez ce visage là, fuyez. Hein? Fuyez, quand vous voyez ce visage là, fuyez. Voilà, il se transforme en python. Voilà, c'est pas on a dit. Moi-même, j'ai travaillé là-dessus, j'ai connu le personnage, et lorsque d'autres histoires me sont parvenues, je n'ai pas hésité. Donc, faites attention. Comme vous aimez l'argent, allez-y. Non, excusez-moi, je ne me moque pas de vous, parce que ça peut arriver aussi à mes amis, à mes enfants aussi, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook là. Vous aimez l'argent. Voilà. Laissez-moi, je vais te jeter toutes les photos, parce que finalement, j'ai des photos qui sont à l'ordinateur là qui ont pris. Il faut que je télécharge ça encore. Hein, comme ça, on fait un article, on met ces images là, ces photos là. Quand vous les voyez, vous pouvez fuir, comme on a fait avec Madungu. Quand on a fait avec Madungu, beaucoup de filles ont su qui était Madungu et elles ont peur aujourd'hui de Madungu. Et quand moi je viens dénoncer, c'est pour que vous preniez vos mesures. Parce que votre système de Daddy Sugar là, c'est chaud. C'est chaud. Vous êtes dans la pauvreté, d'accord? Mais vaut mieux mourir de pauvreté que de finir dans l'estomac d'un python. C'est mieux. Vous savez l'histoire des gains faciles là. Vous savez l'histoire de Mounana qui s'est passé à Mwanda ou Mwanda. Vous savez ça. J'ai déjà parlé de ça. Voilà. Donc, laissez-moi que je cherche son nom. Les Gabonais, surtout les filles. Je sais que c'est les filles qui attendaient ça. Parce que vous avez, chacune de vous, vous avez les Daddy Sugar. Non, je ne peux pas vous laisser. Je viens vous sauver. Je ne fais pas mal. Vous savez que je me fais des ennemis. Vous savez que ce monsieur, je le connais. On s'entendait super bien. On prenait des jus ensemble au Chasse-Plin, à Libreville. Vous pensez que c'est des gaietés de cœur que moi je vais présenter les gens comme ça? Hein? Voilà. Donc, laissez-moi.
Toutes mes notes, malheureusement, j'avais publié ça sur Internet. On va revenir tout à l'heure. Hein, ne vous en faites pas. Mais vous avez déjà la photo. Vous avez capturé. Hein, de Sandra Berry, là, ou Sandra Blackberry. Faites attention. Avec le pognon facile. Hein? Voilà. Si vous voulez finir dans les estomacs des serpents, continuez. Mais faites attention à ces hommes-là. Vous avez des copains qui sont jeunes, qui n'ont pas de moyens. Demandez-leur de patrouiller pour trouver du travail, pour subvenir à vos besoins. Mais quand vous allez les tromper avec ces gens-là, vous ne savez pas comment ils ont fait pour arriver là. Regardez cette fille, elle est là. Elle n'a que 19 ans. 19 ans au mois de fin. Vous voyez dans quelle situation elle se retrouve? Ils vont tout faire pour l'éliminer en prison, pour que l'affaire soit étouffée. Heureusement qu'on commence à parler, et ce sénateur-là qui le sache désormais qu'on va l'avoir à l'œil, parce que je suis venu pour éplucher une partie de ça, mais on reviendra au balcon. Parce qu'on ne doit pas laisser, si on laisse ça, naturellement, si on laisse ça, ça va continuer à Libreville, ça continue à Port-Gentil. Il y en a eu déjà dans le Haut-Togo, des cas dans le Haut-Togo, c'est les gens. Mais quand on vous dit ça pour que vous évitiez, c'est pas, ça ne me fait pas plaisir. C'est des gens que je connais. Vous savez que je commençais à travailler depuis. Je connais ce monde-là. Donc, en ce qui concerne les pitons, il n'y a pas de pitons végétariens. Je ne connais pas. Le piton mange toujours de la viande. Je ne connais pas le piton qui mange de l'herbe. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis venu. On va écouter. C'est un live. Je voulais donner la parole. Peut-être que les gens ont des questions à poser. Mais je pense que j'ai des gens qui se pressent en disant qu'ils ont du travail. Je ne sais pas si vous voulez appeler. J'ai quand même deux. Vous avez la photo. Voilà. Allez-y vous débrouiller maintenant avec la photo. J'ai déjà affiché la photo. Débrouillez-vous. Vous aimez trop. Vous qui êtes à Libreville. La plupart des filles qui écrivent là sont les filles qui sont à Libreville. Vous êtes comme ça là. Vous êtes comme ça. Allez-y. Mais je vous dis, le sénateur là, il est à Libreville. Son fief, c'est Port-Gentil là-bas. Il repart là-bas seulement pendant les périodes. Donc, il sévit à Libreville. Donc, ne dites pas que ça s'est passé à Port-Gentil, il n'y a que là-bas que ça va s'arrêter. Voilà, on ne sait pas, peut-être qu'il a une maison. Et Dieu seul sait si cette maison-là, c'est sa seule maison. Est-ce que c'est vraiment sa principale maison où il vit avec sa famille? Je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas, même si la femme en Europe, comme il le prétend, il doit avoir quand même des vêtements. La femme n'est pas partie en Europe, là, sauf si la maison a été construite derrière la femme-là. Il doit avoir une maison avec une famille. Et là, c'est pour faire ses opérations mystico-spirituelles. Parce que la fille, Leïla, dit qu'il a l'habitude de s'isoler dans cette chambre-là. Il fait 1h30, 2h dans le silence quand la fille est là. Donc, il fait ses prières, ses incantations dans cette chambre-là. Parce que quand il est venu, il est intervenu pour parler justement au piton. Donc, cette chambre-là, c'est sa cellule spirituelle. Et à partir de ce moment-là, il ne peut pas amener sa famille là. Et ils sont nombreux, ils procèdent de la sorte. Donc, ils utilisent des maisons, comme ils ont beaucoup d'argent, ils construisent des maisons, ils louent des maisons. Et c'est dans ces maisons qu'ils font des choses, ils font des sacrifices. Vous devez déjà le savoir, ce n'est pas la première fois que je viens vous parler de ces choses-là. Voilà. Il faut que je retrouve le nom. Vous savez que j'avais préparé, tout était dans l'ordinateur. Je suis venu aujourd'hui... c'est bizarre, j'ai des troubles de mémoire, mais ça va arriver, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Donc, je venais attirer votre attention. Et si vous comprenez, c'est bien. Si vous n'écoutez pas, c'est bien. Mais désormais, toutes les grandes informations-là, même la suite de cette affaire-là, je vais publier ça seulement sur YouTube. Si vous venez, c'est bien. Vous n'allez pas, tant pis. Parce que vous passez votre temps à m'insulter. Moi, je prends des risques. Je me mets à dos des sorciers comme ça. Vous ne savez pas comment ils procèdent, comment ils font pour me nuire. Et vous venez toujours m'insulter. Alors que je vous donne des informations pour vous mettre à l'abri de ces choses-là, parce que la poule qui a les yeux ne traverse pas la graine d'arachide pourrie. Ne mange pas la graine d'arachide pourrie. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas. J'avais quelques données que je voulais vous mettre avant de partir. Oh là 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 là, c'est compliqué. C'est ça l'inconvénient quand on travaille avec le téléphone. Quand on travaille avec l'ordinateur, c'est plus facile de retrouver. Voilà, c'est compliqué. Bon. Maintenant, si vous voulez poser des questions, je vais quand même donner la parole rapidement à certains qui sont là pour que vous ne soyez pas par rapport à l'exposé des faits. Vous avez deux numéros d'appel. Le numéro du Gabon, 00241
77 24 44 00. Je reprends 00 241 77 24 44 00. Donc, deuxième numéro d'appel. Il n'y a que deux ce soir. Hein, je n'ai pas assez de. Donc, 00 200 0033 7 52 52 36 52. Je reprends 00 33 7 52 52 36 52. Donc, ce deuxième numéro d'appel. Et il y a un troisième numéro, je crois. Je ne sais pas si le téléphone est chargé, mais vous pouvez appeler avec les deux là. Hein, parce que j'ai des appareils qui sont hors usage là, qui ne passent pas. Hein, vous pouvez appeler. Donc, je vous donne le numéro d'appel 00. 30. Voilà, il y a Fils de Pog, là, ça le concerne directement, ça se passe chez lui, Fils de Pog. Il faut arrêter vos, hein? Faut arrêter votre sorcellerie, là. Vous disiez que la sorcellerie avec Andende, mais là, ce n'est plus là, là, c'est maintenant partout. Alors, okay, hein? Vous voyez même à Port-Gentil. Mais je vous précise une chose, Port-Gentil, il y a des choses terribles là-bas. Il y a la sorcellerie, les gens font des fétiches à un niveau supérieur. Je me souviens, en 96, il y avait même un sachet qui traînait sur la voie publique et quand vous rouliez dessus, vous faisiez un accident mortel. Port-Gentil, c'est grave. Port-Gentil est risqué. Voilà. Donc, le numéro d'appel, si vous avez des questions à poser, 00 241 77 24 44 00. Je reprends 00 33 pour le numéro de France, 00 33 7 52 52 36 52. Voilà. Et puis le numéro du Gabon, 00241. WhatsApp uniquement, s'il vous plaît. 00241 77 24 44 00. Je reprends 00241 77 24 44 00. Donc, voilà ce que je venais vous dire. Ça doit gêner beaucoup les gens, des proches de cette famille-là, puisqu'on sait, il y a l'affaire connue, des gens qui sont venus voir, ils savent ça. Il y a même d'autres qui ont témoigné, voilà, qui ont témoigné inbox, même pendant mon live, là où je parlais de ça, qui étaient au courant qu'on les avait appelés. Donc là, ça doit gêner la famille, là. Donc parfois, ceux qui viennent insulter, là, c'est les membres de ces sorciers-là, venez insulter, moi je m'en fous, ça ne change rien, rien à moi. Hein, je continuerai à dénoncer, hein, parce que même si le mouton mange l'herbe, elle continue de pousser. Même si le mouton mange l'herbe, elle continue de pousser. Voilà. Donc, moi, je suis venu vous dire ça. Je crois que l'exposé des faits était clair, hein, parce que les gens n'appellent pas. Si vous n'appelez pas, c'est que l'exposé des faits était clair. Je sais que ça vous a tétanisé. Mais je tenais à vous le dire, c'est choquant. C'est ça, mais vous êtes obligé de prendre des dispositions à ce niveau-là, parce que la sorcellerie atteint un niveau terrible dans notre pays. Regardez, là, il s'agit d'une Congolaise. Donc, c'est l'image du Gabon qui prend un coup. L'image du Gabon prend un coup. Parce qu'au niveau du Congo, même si quelqu'un il peut apprécier une Mondele, hein, quelqu'un va apprécier une Mondele là-bas. Ah non, pas une Mondele, parce que c'est blanc. Hein, une bonne. Hein, voilà. Donc, après, on va dire, oh non. Bon, après, tout ce qu'elles ont le maquillage aussi, c'est des Mondele là-bas. Il y a des Mondele là-bas qui ont le maquillage là. Donc, après, on va dire, oh, tu es Gabonais, oh non, non, vous avez toute la sorcellerie. Alors que c'est quelques individus qui font ça. Donc, vous voyez comment c'est compliqué. Voilà. Donc, moi, je suis venu vous dire ça, voilà l'exposé des faits. Puisque vous n'appelez pas, c'est que les choses ont été claires, vous n'avez pas de questions à poser. Ne revenez plus me poser des questions. Hein? Ne revenez plus me poser des questions. Je suppose que ça a été clair. Puisque vous n'appelez pas, ne revenez pas inbox parce que vous êtes comme ça. Quand je suis là, vous n'appelez pas. Il y a même ceux qui ouvraient leur mandibule là, au lieu de venir maintenant. Poser les questions, ils ne posent pas les questions, ils ont fermé tous leurs trous. Bon, on va prendre quand même un appel. Allô? 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 Oui, bonsoir. Ce numéro téléphone-là, Oui, je vous écoute. Vous êtes en direct, monsieur, on vous écoute. D'accord, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais, c'est par rapport au sujet du jour, là, par rapport au monsieur avec son serpent, là, en fait. Oui. Ben, je voudrais savoir, en fait, c'est un serpent apprivoisé qui s'est fait bouffer un enfant ou c'est un serpent mystique? Non, ça, c'est pas mystique.
Mais parce que, là, je suis en Europe, là, on vend le piton. Bon, maintenant, si j'ai un piton chez moi, et puis il y a un enfant qui est là, alors le piton va le manger aussi, et ça ne veut pas dire que c'est mystique, en fait. C'est pas ça, m'étonne. Non, ça, c'est mystique. C'est un serpent mystique, parce qu'il a disparu après. Il a disparu. Ah oui, non. Ouais, c'est pas un serpent. Ils sont, en fait, c'est un fétiche, c'est des serpents qui sont, en fait, des esprits pour cracher de l'argent. OK? C'est, ah oui, d'accord. Au niveau du pouvoir d'Ali Bongo, il y a des gens qui ont ça, et ce sont ces serpents-là qui pondent de l'argent. Oui, d'accord, d'accord. Et est-ce que la justice est habilitée justement à traiter du cas qui sont mystiques, en fait? Bon, il faut que je regarde un peu la nouvelle constitution, parce que déjà, le code de procédure pénale, je crois l'article 24, reconnaissait les pratiques de sorcellerie. OK? Mais sauf que c'est difficile à prouver. Maintenant, là, voilà, c'est ça le problème. Voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est que la fille, on a accusé d'être malade mentale. Après, ça a été vérifié qu'elle n'est pas malade mentale. Bon, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, ce monsieur, comme ça, c'est pas mystique, il ne pourra pas apparaître. Donc, on aura du mal à le retrouver. Ouais, ouais. Voilà, c'est compliqué. C'est en plus, c'est quelqu'un qui ne peut jamais reconnaître. Oui, d'accord. Attends, ça va être compliqué parce que même les crimes rituels, on retrouve le corps du délit, on ne punit pas ces gens-là, c'est pas pour une affaire mystique qu'on va trouver. En plus, il s'agit d'une Congolaise, ils vont dire, oh, laissez-la, on ne va pas exposer. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Hein. Ouais, ouais, d'accord. Ah, ok, mais c'était juste pour savoir. Hein. En tout cas, merci et félicitations pour tout ce que tu fais là. Hein. Bonne continuation. Merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Bon, le numéro d'appel 00-241-77-24-44-00. Uniquement par WhatsApp. Hein? 00-241-77-24-44-00 pour parler, pour appeler, pour poser des questions. Si vous avez quelque chose à dire, une contribution ou un témoignage même. Vous avez le numéro de la France 00-33-7-52-52-36-52. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comme cet auditeur qui a appelé de la France tout à l'heure pour poser des questions, vous avez la latitude, vous avez encore quelques minutes. Et après, si vous attendez maintenant au balcon, quand on reviendra en détail sur ça, sur d'autres détails, sur d'autres points, on en parlera. Voilà. Je suis venu parce qu'il fallait bien éplucher. On a d'autres sujets aussi importants que ceux-là. Je ne dis pas que celui-là n'est pas important, mais il y a des sujets aussi assez importants. Donc, il faut évacuer déjà progressivement en attendant que je me rééquipe sérieusement. Parce que naturellement, le combat ne doit pas connaître un moment de ralentissement à cause de défaillances techniques. Donc, voilà ce que je suis venu vous dire, mesdames et messieurs. Je voudrais aussi dire à ces gens-là qui viennent des marabouts, là, hein, qui viennent promettre les richesses aux gens-là, je voudrais dire qu'allez-y d'abord proposer ça au président Patrice Talon, hein, des marabouts béninois, là. Hein, c'est Patrice Talon qui a besoin de beaucoup d'argent pour développer le pays. Hein, laissez-nous dans notre pauvreté. Hein, donc, j'aime bien votre présence sur ma page, mais vous exagérez. Quand on parle de sujets sérieux, vraiment, essayez de nous coller la paix. Hein. Allez-y faire la promotion d'ailleurs. Nous, on connaît déjà comment vous fonctionnez. Si vous étiez des faiseurs de miracles, vous ne seriez pas vous-même pauvre aujourd'hui. Hein. Alors, commencez d'abord par devenir riche vous-même avant de venir proposer vos produits. Là, sur ma page, cette page, ce n'est pas une page pour faire la publicité des marabouts, parce que si vous étiez aussi excellent que vous prétendiez être, le Bénin serait très développé aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai demandé aux gestionnaires des pages de vous supprimer régulièrement parce que ça commence à bien faire. Et donc, c'est un peu ça là. Les filles, en conclusion, je vous demande de faire extrêmement attention. Le dehors est risqué. Hein? Le dehors est très risqué. Voilà, le dehors est très risqué. Maintenant, je vais essayer de collectionner un peu l'ensemble des personnes qui ont un peu ces totems, même pas totems, on ne peut pas parler ça totem. On va essayer de, hein, comme ça on fera un balcon, on va présenter tous les gens là, ministres, sénateurs, machin. On va mettre ça, on dit tel à un serpent, parce qu'ils sont nombreux, il y a beaucoup de témoignages là, des filles qui sont sorties là. Comme ça vous allez avoir peur, mais en attendant, prenez déjà soin de vous, hein, les filles. Prenez soin de vous, parce que vous êtes trop. La recherche est freinée de l'argent, là, ça conduit au cimetière. Je suis persuadé, au fond de moi, que si
c'était pas le bébé là. C'est Leïla qui a eu un esprit fort. Si ce n'était pas le bébé, c'est elle-même qui serait passée par là. Et surtout qu'elle avait expliqué à cet homme qu'elle était orpheline. Et c'est ça l'erreur que vous ne devez pas commettre, vous les filles. Quand vous rencontrez un homme, vous lui expliquez tous vos problèmes. Même votre statut familial. Oh, je n'ai plus de parents. Mais c'est là où il va vous bouffer. Il va vous bouffer facilement. Donc, il faut éviter. Parce que cet homme-là, certainement, avait dit, ah, j'ai trouvé ma proie. Quand il donne 2 millions, pour une nuit seulement, vous passez, il vous donne 2 millions. Vous savez ce qu'il a retiré? Il donne 2 millions, ce n'est même pas de l'argent normal. C'est l'argent que ce serpent a dû cracher. C'est l'argent que ce serpent a dû cracher. Et naturellement, donc, il n'est pas, sans le gêne, pas de partager, de donner ça comme ça à une fille. Parce qu'il s'en fout de toute façon. Le serpent va cracher d'autres billets de banque. Donc, faites extrêmement attention. Le dehors est risqué, très risqué même. Voilà. Vaut mieux être avec votre petit bonobo là. Même s'il n'a rien, aujourd'hui, demain, il pourrait avoir quelque chose. Moi, il vous garantit la vie. Ne cherchez pas trop. Quand vous cherchez là, voilà. Si vous êtes dans votre famille et vous avez des aînés, demandez à vos aînés de se battre. Eux, ils doivent se battre pour nourrir la famille. Ce n'est pas vous. On vous demande, quand vous sortez, il faut que vous rentriez avec un petit sachet noir. Arrêtez ça. Les parents qui demandent aux enfants de rentrer avec les petits sachets noirs, vous les envoyez dans l'estomac du python. Vous les envoyez dans l'estomac du python. Cela est valable aussi pour les hommes. Les hommes qui vont sortir avec les vieilles mamans là, qui ont été dans le pouvoir là. Il y a des serpents aussi là-bas. Parce qu'il n'y a pas que les hommes. Hein. Moi, je connais une ex-ministre. Je connais une ex-ministre qui a un serpent. Je connais une ex-ministre qui a un serpent. Et si vous êtes son bonobo, quand vous dormez avec elle, elle vous demande de choisir la tenue qu'elle doit porter. Ça, c'est un piège déjà. Donc, faites extrêmement attention. Parce que le dehors est risqué, très risqué même. Voilà. Ça se passe à Port-Gentil, mais ça se passe aussi à Libreville et dans les autres villes. Parce que tout ce monde-là parcourt le pays. Quand ils savent qu'on les connaît, vous allez voir que ce sénateur-là, après, il ne va plus opérer à Libreville. Il va plus opérer à Port-Gentil, opérer à Libreville. Ou bien il va aller à Lambaréné, surtout la capitale du Gabon. Donc, toutes les villes sont risquées. Et le sénateur travaille avec d'autres compagnons. Et à ses compagnons, il a dû leur dire le secret que pour avoir de l'argent, il faut avoir un serpent qui crache l'argent. Il a dû les amener aussi là où on fabrique ces serpents mystiques-là. Donc, un sénateur à Port-Gentil, il peut en avoir un autre à Mandji, il peut avoir un autre à Moulengui-Binza, un autre à Chibanga, un autre à Oyem, à Bitam, à Franceville. C'est comme ça. Donc, soyez très prudente. Soyez circonspecte. Depuis des années, j'attire votre attention. Je suis surpris de voir que les filles continuent, les jeunes surtout, continuent à tomber dans les pièges de ces gens-là. Alors qu'on vous a déjà prévenu. Quand vous avez prévenu et que vous tombez dans un piège, c'est que quelque part, vous n'avez pas compris et que vous méritez ça. Je suis désolé de vous le dire. C'est ça l'arrêté, le pays risqué. Et ils vont davantage exploiter votre pauvreté pour vous faire subir des choses. Voilà. Non, c'est pas tout. Enlevez Bitam dedans, pourquoi? Bitam, là, on va les enfants. Vous parlez de quoi? Bitam, c'est pas le Gabon. Quand vous demandez d'enlever Bitam, c'est pas le Gabon, c'est chez moi. Toi qui viens parler de Bitam, là. Tu sais pas que je suis de Chimazok. Moi, je suis de Chimazok. J'ai mon terrain à Chimazok, je vais construire là-bas. Voilà. Donc, Bitam, c'est chez moi, c'est pas chez toi seulement. Hein? Si tu crois que c'est chez toi, alors prends ton lopin de terre là-bas, construire hors du Gabon. Mais Bitam est dans le Gabon. Même si vous dites Bitam Alstead. Hein? Même si Bitam Alstead. Si Bitam Alstead, on attend l'investiture de mon président demain. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous. L'information continue sur Facebook. Et YouTube, surtout, éviter tous ces pièges-là. Hein? Voilà, on reviendra là-dessus une fois que les choses vont rentrer dans l'ordre. Merci et à très bientôt. L'information continue sur Facebook et YouTube. Yo, 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 yo
Y a quelqu'un qui appelle là. Non, on a coupé déjà l'émission, hein. On a coupé l'émission, hein. Donc, l'émission est terminée. On vous a demandé d'appeler, vous n'avez pas appelé à temps, hein. Maintenant, vous attendez quand il y aura le balcon, comme ça on pourra parler, hein. Sinon, c'est fini l'émission. Laissez-nous terminer, hein, hein. C'est comme ça. Je vais me reposer aussi parce que j'ai une journée un peu chargée, quoi, hein. Donc, c'est pas la peine, c'est pas la peine d'appeler encore, hein. Je vois que les gens appellent là. Vous voyez, vous êtes comme ça. Vraiment, les Gabonais, on est terrible. J'ai donné la parole aux gens pour qu'ils participent à l'émission. Ils n'ont pas appelé. Et là, ils reviennent au dernier moment quand je mets le générique. Vous voyez comment les Gabonais sont. Ils sont toujours en retard. C'est pourquoi le pays est en retard. Vous comprenez pourquoi le pays est en retard comme ça, là? Parce qu'il y a des gens, naturellement, ils se réveillent toujours en retard. Je ne sais pas où ils étaient. Après, ils viennent dire, oh, il n'a pas... Il a dit quoi? Mais il a dit quoi, vous étiez où? Il faut être là. Hein? Voilà, donc ce n'est pas la peine. Je ne prends plus les appels à l'heure. Voilà, vous attendez la prochaine fois. Si vous n'avez pas compris cette année-là, vous n'avez pas compris, vous allez comprendre l'année prochaine. Hein? Voilà. Si vous n'avez pas compris les explications-là, vous comprendrez l'année prochaine. Maintenant, si vous êtes dans la gueule de... Si vous êtes déjà dans la gueule de si vous êtes dans l'estomac du python, ce serait bien dommage, quoi. Ce serait pas de mauvais.
Oh, 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 oh